Yo le Prix Squad qui passe à Homs. Aujourd'hui je vous propose une petite vidéo de 3-3 à Orsay. Donc Orsay c'est la ville où je taffe, donc voilà pourquoi j'étais dans les alentours. Ce qu'il faut savoir c'est que c'est les gars qui m'ont défié et qui m'ont demandé de jouer avec eux. Je vous avoue c'est pas un level de ouf, y a pas une défense de fou malade. Mais bon, voilà, moi on me propose de jouer avec moi, vous connaissez, je vais pas faire ma restade, dire non vous êtes pas assez fort ou ceci cela. Suite à mon tuto sur le dunk et sur comment augmenter sa détente, vous avez été nombreux à m'envoyer des messages comme dans l'intro là. Blisco, est-ce que tu sais dunker? Blisco, montre-nous comment tu dunk. Oh, je suis sûr que tu sais pas dunker. Je suis sûr que ceci, cela. Donc voilà, je préfère faire une vidéo et vous voyez par vous-même. Avec des sables. Ok, donc on arrive, tape, tape droite, tape, tape gauche, cross, reste figé. Thomas, boum, effet tremblement de terre qui fait tomber les gens par terre par cette réaction de dingue. Vous avez vu ça? Je suis encore sur le côté, cross droit, boum, il bouge pas trop. Ouh, il repart sur celui-là, j'arrive, boum, réajustement en l'air à la Westbrook contre la planche, les gars. In and out sur la gauche, je repars. Ouh, la remodification encore avec la faute, and one. Alors cette action, je vous l'ai mis juste pour que vous voyez la détente. Parce qu'à la base, ouais, j'ai pas essayé de le contrer, c'était plutôt un allure. Regardez à la hauteur à laquelle je monte, les frérots. J'ai quand même la main en haut du carré noir. C'est pas rien, la tête, elle est pas loin de l'arceau. Donc là, je suis encore sur l'aile droite, hop, petit cross dans le dos, je reviens, je vois que ça réagit pas trop, je passe. Ouh, le poster! Le poster deck, mesdames et messieurs, il est passé à ça! À ça! Là, j'arrive, je ressors la balle à 3 points gentiment. Oh, le Sham God, méchamment, avec le déposé en finger roll à la Iceman, George Irving. Ressort, pouf, l'hésitation et le cross à la Jamal Crawford. Allez, regardez le dernier cross bleu si vous voulez apprendre à faire ce cross là. J'arrive, je ressors encore la balle, gros crossover et demi-tour sur place! Oh my god, la réaction. Shoot à 3 qui rentre dedans, veut exaucer. Et c'est parti pour les lancers de javelot. Célébration, pose ninja. Dab inversé. Pas mal. Je récupère la balle au poste tout seul. Thomas, dès demain, quand je vous dis que j'avais du juice ce jour-là, c'était pas du juice de fruits. Oh oh. Ouf, le cross encore, il reprend le même cross avec le petit pont derrière. Shoot ouvert, tête de raquette, ah, c'est un peu court. Le rebond et la claquette qui passe encore à ça, vraiment pas loin. Et le alley-oop, pouf! Vous avez vu ma pose en l'air, tel un aigle foudroyant sa proie à la Westbrook. Je récupère la balle, on me propose un écran, je le prends volontiers. Et là, ce petit pont spécial en passant par Los Angeles à San Francisco, finissant par le double pas. Je me retrouve encore sur cette aile. Tout seul en isolation, je cross droite-gauche, je trois, je fixe, il est un peu intimidé, il sait pas trop quoi faire. Cherchage de balle, grand pont derrière et finition avec la blanche, déposé, easy. Easy, l'école Brisco. Oh, fin de grand pont, ouf, ça c'est le cross plat à l'autre, sauf si vous voulez apprendre celui-là. Je fixe mon défenseur, je mets des crosses, à droite, à gauche, je vois que ça réagit pas trop, je décide d'y aller, easy, réajustement du tir en l'air, et je dépose en double pas. C'est déjà la fin de la vidéo, les gars, comme d'habitude, pour soutenir, on n'oublie pas le petit pouce bleu, le petit partage avec les potos, et surtout le petit commentaire. Si toi aussi, tu veux monter si haut, si toi aussi, tu veux les secrets pour savoir dunker, je t'invite à aller checker la vidéo que j'ai fait avec mon poteau Loïc, le meilleur dunker de France, ici. Et si tu veux reproduire les crosses que j'ai effectuées dans la vidéo, tu peux cliquer sur la vidéo juste en dessous. En attendant, si c'est pas encore fait, tu t'abonnes à ma chaîne, et moi je te dis à la semaine prochaine pour une vidéo encore plus dingue.